Vous allez bien? Moi, en tout cas, je déborde d'énergie car aujourd'hui, j'ai un message important à te passer. Écoute-moi bien. On vit dans un monde où les informations s'entremêlent dans nos têtes. On est surstimulé par les médias, les modes et toutes ces conneries. On vit dans une époque où la technologie a fait de nous des vrais locs, qui ne cherchent même plus à dépasser leurs limites. On vit dans une société où on a du mal à savoir ce qu'on fait, où on va, ce qu'on est. Et par-dessus tout, on est entouré par des gens qui veulent notre régression, des gens qui se délectent du moindre échec, tous ces détails qui créent en nous des faiblesses, des doutes, des incertitudes. Et lorsque ces faiblesses prennent le dessus, ce corps, cet esprit que tu possèdes deviennent alors une honte. Que tu sois grand, moche, gros, maigre, obèse, petit, c'est pas ça le problème. Le vrai problème, c'est que t'es honte de toi. Ce manque de confiance finira par influencer tes choix dans la vie de tous les jours, qui seront très souvent des choix de perdants. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tu es un perdant. Peu importe les choix que tu as faits, tu pourras toujours te relever. Crois en tes qualités comme en tes défauts. Ne lâche jamais rien. Relève-toi directement après chaque difficulté et reviens de plus en plus fort, tel un Saiyan. Mise tout sur toi-même et sois fier de ce que la nature t'a donné. Évolue avec tes cartes et deviens la meilleure version de toi-même. Le plus fort. La route sera longue et dure, mais c'est ce détail qui fait que tout le monde abandonne. C'est ce détail qui va faire que tu vas te démarquer. Toi qui as grandi avec la volonté du feu, toi qui as grandi avec les plus grands, je sais que tu en es capable. Et je sais que je serai celui qui allumera ce brasier. Motivé tu seras, plus vite tu progresseras et plus fort tu deviendras. Avant même d'avoir un physique puissant et un mental solide. Un mental capable de résister à toutes ces merdes qui nous tirent vers le bas. Vêtements, femmes, voitures, luxe, tout ça c'est superficiel. Fixe-toi de vrais objectifs. Épanouis-toi, évolue, voyage et deviens plus fort. Peu importe les impasses sur ta route, ton mental devra rester intact. Un vrai Saiyan ne se retourne jamais. Tous ces héros nous ont appris une chose, ne jamais abandonner. Toujours croire en ce que tu veux faire et toujours aller de l'avant. Les gens forts ne le naissent pas, mais plutôt, c'est nos actes qui font notre force. Ces actes qui viennent de mental fort et de confiance inébranlable. Alors j'ai qu'une chose à dire, crois en toi. Et si t'arrives pas à croire en toi, crois en moi qui crois en toi. Bienvenue sur Manga Workout, le début d'une longue route qui te tirera vers le haut et qui t'approchera le plus de tes héros. Un brasier qui va se propager jusqu'à atteindre des sommets. Vous croyez que les mangas, les shonen, la japanimation, ça peut nous mener nulle part? Ben je vais vous prouver qu'on peut aller vers le haut avec tout ça. J'espère que t'es prêt pour l'aventure, parce que ça commence maintenant. Ixo!